Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire un bonhomme de neige avec des rondelles de bois. Le voici. Alors pour le matériel, il nous faut des rondelles de bois, donc trois tailles différentes, le socle, le ventre, la tête et pour faire le chapeau. Ça c'est du noisetier que j'ai coupé en petits bouts. Il nous faut un pistolet à colle chaude, de la fausse neige, feutre pour orange, la carotte et noir pour les yeux, deux boutons. Il nous faut aussi des petites brindilles pour faire les bras, de la peinture blanche, de la peinture noire, du ruban, de la colle blanche, pinceau et voilà. Donc c'est parti. Donc dans un premier temps, on va déjà peindre en blanc le ventre et la tête. Alors, je prends ma peinture. C'est parti. Voilà. On a notre tête et notre ventre qui sont blancs. Alors après, donc on va les assembler. Pistolet, colle chaude. Donc je regarde un peu comment je veux le positionner. On attend un petit peu que ça prenne. Voilà, notre tête. On attend aussi. Voilà, c'est fixé. Et voilà. Donc maintenant, on va dessiner les yeux, la bouche et la carotte. Donc moi, j'ai fait ça au marqueur. Donc vous pouvez déjà faire au crayon de papier si vous hésitez un petit peu. Voilà. Donc après, on va coller le chapeau. Qu'on va peindre en noir. Que ça prenne bien. Voilà. Ensuite, on va pouvoir peindre en noir.
Et voilà, on peut passer à la suite. Alors, on va mettre les boutons, le ruban. Alors, ruban, moi j'ai choisi un bleu comme ça. Et puis dessus, je vais rajouter une bande de strass. J'avais trouvé ça chez Action. Alors, donc on regarde à peu près la longueur. Je colle directement dessus. Voilà. Donc maintenant, on va aller le coller directement comme ceci. Donc je mets la colle chaude. Et voilà, maintenant on va rajouter nos boutons. Et voilà. Alors soit vous le laissez comme ça, soit vous rajoutez des bras. Moi je vais rajouter des bras. Donc je prends mes petites brindilles. Je regarde à peu près où je vais les mettre. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste que là, c'est pas sec, le chapeau. Mais quand il sera sec, comme j'ai fait là, de remettre un tour de ce brillant-là. Et il nous reste juste à mettre la fausse neige. Alors, mettre un papier pour mettre en dessous. Voilà, du coup on attend bien que ça sèche, la fausse neige soit bien collée, et voilà le résultat. Donc du coup là je peux pas le mettre parce que c'est pas encore sec, mais dès que c'est sec, il suffit de rajouter le petit contour. Et voilà, on a notre petit bonhomme de neige en rondelles de bois, les fils. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu,
Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Je répondrai avec grand plaisir. Et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo.